Elle sait. Et où elle est là? Où est elle est couchée là? Les petites phases qui vont faire passer. L'homme, lui, il est courageux, mais là, arrivé là, il n'est plus courageux. Quand il est couché là, quand elle remet son pied comme ça, il pense qu'elle veut la coucher. Par là, on va finir, mais elle amène son pied. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc ce qu'il a espéré, s'il n'a rien gagné, matin colère de ça maintenant, mélangé dans vieux colère. Alléluia. Colère. Colère de ne rien gagner. Avec colère de Palab ancien qui était là. Il faut voir son démarche dans la maison. Il faut voir démarche de ça dans la maison. Et bien il continue son travail. Il continue. Alléluia. Même la nièce. Il ne faut pas donner d'eau à la nièce. Même s'il n'y a pas là pour ça, ton mari même à répéter. Amen. Mais, donc il continue. Il lance ça. Et à un moment donné, il va arriver sur la dernière étape. Ouais, la dernière étape maintenant, c'est. Il te fait voir maintenant. Tu as vu? Regarde. Depuis quand elle a fait enfant, tu ne vois pas qu'elle a vieilli. Son visage était comme ça enfant. Est-ce que son visage était comme ça enfant? Quand tu l'as prenais là, tu n'as pas vu. Regarde, même quand elle sourit maintenant, même on dirait, c'est une vieille qui sourit. C'est une vieille. Attends, regarde quand elle va passer. Regarde sa démarche. Est-ce que c'est comme ça, elle marche? Tu ne vois pas que même ici, elle a commencé à grossir. C'est ça, la vieille, vieille, t'es fatiguée comme ça. Alors que, regarde la petite qui. La petite qui est dehors. Rien quand tu vas, même comment elle te salue. Rien comment elle te reçoit. Rien comment elle fait. Donc, quand il est arrivé sur la dernière étape comme ça, quand elle arrive, elle pense. Bon, il y a la nourriture. Hein. Quelle nourriture? Quelle nourriture? Moi, j'ai déjà mangé quand il fout. J'ai déjà mangé quand il fout. Continue. Hein, c'est séparation qui arrive. C'est comme ça que tu n'es pas au courant. C'est séparation qui est en train de venir là. Tu vois, non. Alors c'est dit, maman, je n'ai pas fait de séparation. Tiens, si c'est séparation, ça dure dans ta bouche, tu vois, en même temps. Maintenant, quand il va dans la douche, elle dit, tu as vu, va. Mais tu ne peux plus partir comme ça. Donc tu vas chercher témoin. Quand tu appelles ton meilleur camarade, tu vas dire, il sait. Il te dévance. Parce qu'il connaît ton camarade ou il connaît ta meilleure camarade. Quand il. Avant même que tu ouvres la bouche, il a déjà touché la camarade. Donc quand tu ouvres la bouche, tu te dis, tu souffres. Moi-même, j'ai rien ta souffrance depuis. J'ai rien ta souffrance. Vous étiez bien. C'est-à-dire, c'est comme un conseil. Vous étiez bien. Oh. Vous-même, vous regardez comme ça, mais. Parce que c'est. C'est la façon que tu souffles là, ce moment qui me fait mal, quoi. Donc, le point, oh, c'est le point souffle là que lui voulait qu'elle n'ait qu'à attendre. Sinon, je ne peux pas te dire, va, hein, sinon il était bon. Hein. Mais c'est ta souffrance là qui me fait mal. Donc, elle est là, quand elle retourne, elle dit, donc ma camarade sait que je souffre comme ça. Donc, même mon camarade sait que je souffre. Je suis en train de souffrir dans le foyer. Donc, moi, je suis dans le foyer et puis je souffre. Maintenant, elle va tomber maintenant sur quelqu'un d'autre qui l'a positionné. Parce qu'il ne peut pas venir. On parle de diable, on pense qu'il va venir et puis on va le voir pour dire que c'est lui qui est là. Donc, quand il a positionné quelqu'un d'autre maintenant, quand tu appelles pour dire, toi, tu es encore dans ce foyer-là. Parce que c'était le caillou même que tu attends, il va mettre. Tu es encore ça là. Ah, mon cher, chaque année, moi, j'ai réglé votre problème sur moi. Chaque année. Alléluia. Alléluia. Dernier cacato. Et puis, donc tu es encore là. Chaque année seulement c'est pour vous la Corée. Chaque année c'est pour vous. Chaque année c'est toi. Donc toi tu t'es marié, on n'a qu'à régler le problème. Quand il est dehors, quand il vient maintenant, elle est assise parce qu'elle a attendu tous les derniers cata qu'elle devait attendre. Donc
qu'elle est là, attends. Et puis il rentre net. Je te propose une chose ce soir. Ou bien toi tu restes. Moi je m'en vais. Ou bien moi je m'en vais. Toi tu restes. Et l'homme. C'est un cas, il n'y a pas de deuxième cas. L'homme, tu as deux cas maintenant. Toi tu restes. Moi je m'en vais. Ou moi je reste. Toi tu t'en vas. Moi que tu vois là, je suis déjà parti et puis tu me vois ici. Voilà. Quelqu'un connaît ma valeur. Comme toi tu ne connais pas ma valeur. Quelqu'un connaît ma valeur. Ça veut dire que tu es devenu un appel de te présenter sur toi maintenant, tu as valeur. Donc lui maintenant aussi, il est orgueilleux. Ça durait dans ta bouche. Parti là, j'attends ça depuis, mais tu ne pars pas, tu es là, c'est ça. Libère ma maison. Entre-temps dans la maison, l'atmosphère a changé. Alléluia. Alléluia. Donc, le problème maintenant, dans la maison maintenant, il n'y a plus de préparation. Gaz à éteint. Le soir, la chérie qui dormait avec robe de nuit, c'est-à-dire elle était même allée dans les grands magasins robe de nuit là. Tu vois Jean même son pied l'ordre pour un essor de diamant. Tu la trouves sur le lit même Jean là. De toute façon, c'est serré, même bouton là, même si tu veux, bouton là même. Peut-être que ton doigt là, ils vont masser parce que tu ne peux pas ouvrir le bouton de Jean là. Chaîne équité ici, du coup, c'est combinaison des mécaniciens. Combinaison des mécaniciens, la chaîne équité ici, du coup, venir ici. Et puis c'est sur chaîne là, maintenant elle est couchée. Viens coucher chaîne là. Viens coucher chaîne. Donc il est ici, il parle ici, il est là, il parle là. Un matin dit. Tu as vu la nouvelle? On dit, ils sont séparés. Voilà. Et quand il voit la main, maintenant, il dit, il s'en va voir son patron maintenant. On a gagné! On a gagné! Félicitations! Félicitations! Bon, tu as fini avec celle-là maintenant. Et sa fille qui veut se marier là. Mets ça comme ça. Quand elle va parler, elle va commencer à dire, moi là, tu me vois comme ça, je ressemble à ma maman. Tu as le cœur de ma maman. Moi, on est mes garçons, je joue pas avec moi. Lui aussi, les gens. Moi, il va dire le nom de son papa. Fils d'État. Pourtant, fils d'État, là, quand il dit le nom même du papa, même on ne voit même pas. On ne connaît pas son papa. Amen. Et la Bible dit qu'elle regarde le même fruit qu'elle regardait depuis. Elle regarde parce qu'il a mis, il a parlé, que c'est tout. Vous allez voir, il ne veut pas que vous soyez comme lui. Il ne veut pas tant. C'est à cause de ça. Elle a pu le fruit, elle a même, pour ne pas qu'elle soit seule dedans, elle dit attends, on a fruit là, bébé. On va voir clair. Et quand il a goûté le fruit, c'est fini. Sinon, qu'est-ce qu'il fait? Une femme que tu appelles, il y a des problèmes. Qu'est-ce qu'il fait? Un frère qui était là, il y a des problèmes. Qu'est-ce qu'il fait? Une soeur avec qui tu faisais, il y a des problèmes. Mais la Bible dit quoi? Que ce n'est pas les païens qui vont juger les affaires des chrétiens. Amen. Qu'est-ce qu'il peut mettre des histoires des enfants de Dieu? Ça a perdu simplement parce qu'on n'a pas chacun nettoyé ici bien. Jésus, il a eu la victoire parce qu'il a identifié. Et il a identifié que c'était le diable et il l'a enlevé. Parce que si nous pensons, aujourd'hui je peux être offensé, que ce soit par Pascal, que ce soit moi. Mais la première des choses, quand je vais sortir d'ici, que l'ennemi veut m'envoyer, mais tu as vu Pascal?
Il y a quelque chose que je dois prendre pour contrecarrer. Je dis, mais est-ce que depuis qu'on se connaissait là, est-ce qu'il m'a fait ça une fois? Dès l'instant que tu sors l'épée comme ça, est-ce qu'il m'a fait ça une fois? Est-ce qu'il m'humilie? Est-ce qu'il faisait ça? Et d'ailleurs, s'il a fait ça, c'est mon frère. C'est fini. C'est fini. Tu l'as stoppé. Tu l'as stoppé. Parce qu'en fait, le vrai problème, ce n'est pas le problème, ce n'est pas Pascal et moi. Ce n'est pas Sylvain et moi. Mais c'est qu'est-ce qui va se passer si on continue de ne pas nous attendre? Qu'est-ce qui va se passer dans l'église? Et qu'est-ce qu'on va utiliser? Qu'est-ce qu'il va prendre maintenant moi-même pour m'accuser? Parce qu'il voit ce qui va arriver mercredi, il sait. Toi, tu ne le sais pas. C'est pour dimanche, tu sais. Oh, lui, il t'attaque à partir de mercredi. Il t'attaque à partir de mercredi. C'est pour ça que la Bible dit, ne prends jamais une décision dans la colère. Tout le monde a la colère. Et on ne dit pas que personne n'est offensé. Parce qu'il sait. Si j'ai reçu mon éducation, que tel a reçu son éducation, le fait maintenant qu'on soit ensemble, on va se toucher. Mais maintenant, quand on se touche là, comment on règle ça? Comment je vois ça? Si je vois comme un frère, j'ai raté. Mais si je vois comme un enfant de Dieu, parce que la Bible dit quoi? Tu aimeras ton prochain. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit comme tu t'aimes toi-même. Mais aimer toi-même, c'est quoi? La manière que tu prends ton temps pour te laver. Chercher pommade pour mettre. Mettre des parfums. Pour que ton, quand tu sors, on dit, mais tu es habillé bien là. Il dit, c'est la même manière que tu dois aimer l'autre pour que, quand il n'a pas parfum, toi, tu vas mettre un parfum. Il n'a pas dit, décris son parfum. Parce que si tu décris son parfum, tu es en train de pécher. Parce que si toi, tu as un bon parfum, donne-lui le bon parfum. Amen. Et c'est ce que la Bible demande. C'est pour ça qu'il dit, courez derrière la paix. Il dit, recherchez, battez-vous pour avoir la paix. Il n'a pas dit que ça vient facilement. Parce que l'ennemi sait. La Bible dit que Paul persécutait les enfants de Dieu. Ils ont tué Étienne devant, lapidé Étienne, c'est devant lui, Étienne est mort. Et puis il dit, moi je prends sang de ça, l'envoyer, déposer à Bill, je tiens, j'ai à tuer comme ça. Et puis il va d'église à église. Il va d'église à église pour persécuter. La Bible dit, sur la route de Damas, il croise Paul. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, pourquoi tu me persécutes? Il n'a pas dit pourquoi tu persécutes tes frères. Pourquoi tu rends ton coup à tes frères? Il dit, pourquoi tu me persécutes, Dieu? Il dit, mais je ne te touche pas, c'est qui? Il dit, c'est moi Dieu. Il dit, mais je ne te persécute pas. Il dit, hier, tu persécutes mes enfants. Dieu l'a rendu aveugle. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, va à Damas. Ananias et Barnabas vont t'ouvrir les yeux. Mais pourquoi? C'était prophétique. Ça dit tes yeux physiques qui font du mal, qui pensent que tu attends. Il dit, je les referme. Mais va maintenant pour qu'on t'ouvre les yeux spirituels. De telle sorte que ta manière de voir maintenant, c'est spirituel. Si tu commences à voir de façon spirituelle, Dieu se manifeste dans ta vie et il se glorifie dans ta vie. Ananias, Barnabas se sont plaints. Ils ont dit, quoi? C'est ce tueur-là, celui qui a manipulé, qui a tué, qui a fait ça là. Il s'appelle la chair de l'homme. C'est lui-là
que nous, on va mettre la main dessus et puis il va devenir chrétien. Mais Jésus a dit quoi? Il dit, qui vous dit de dire mauvais ce que moi je dis bien? Alléluia. Et celui-là, je l'ai mis là, je l'ai envoyé pour que mon nom se glorifie dans le monde entier. Et quand ils ont ouvert les yeux de Paul, la Bible dit, les églises que Paul même a mis sur pied, les Barnabas même n'ont pas mis ça. Les Barnabas, ils n'ont pas mis ça. Nous devons, 2016, nous devons ouvrir nos yeux spirituels. Amen. Si nous ouvrons, frère, nos yeux spirituels, les objectifs qu'on va poursuivre, ce qu'on veut faire, des missions pour Christ. Dieu va montrer à chacun. Parce que seul aujourd'hui, il y a des choses que je ne peux pas faire. Même si je vais économiser jusqu'à... En tout cas, il faut que je tombe sur un bon business. Sinon, beaucoup ici, on a planifié, ça se retourne bien, puis on va faire ça, ça vient. Il connaît ça. Il sait que tu attends, ça se retourne pour faire. Maman est dedans. J'attends que ça se retourne de 2018. J'attends que ça. Parce que c'est lui qui sait. Diable, c'est pas dessin avec eux. C'est quelqu'un qui est assis ici et puis te manipule tous les matins. Pourquoi? Aujourd'hui là, si cette église est cassée, ce qu'on ne souhaite pas, c'est vrai. Celui qui pense que ah, si c'est cassé, aide-moi, où lui il était passé avec 10 mois. Mais ce que l'église peut gagner, la fois dernière que je croisais, il dit, tu vois, un monsieur, il dit, tu vois les églises américaines, voici leur puissance, voici leur force, voici tant. Vous êtes sur la bonne voie. Parce que si vous faites ça, voici ce que vous pouvez avoir. Or, si vous avez ça, voici ce que des fidèles peuvent bénéficier par rapport à ça. Amen. Mais l'ennemi, c'est ça. Pourquoi ceux-là ont commencé à mettre des règles, avoir une représentation partout? Pourquoi ils ont commencé à mettre plus sérieusement? Pourquoi c'est réservé? Ok, viens chercher. Lui, il va faire ça. Il peut dire, yeah! À l'église aujourd'hui, dimanche, moi, c'est moi comme ça. Moi. Ce n'est pas ça. Et dit, soutenons-nous. Soyons forts. Amen. Soyons forts. Parce que, en prêchant ici, je peux peut-être, par rapport à l'émotion, dévier. Je ne suis pas Dieu. Claire, Seigneur. Quelqu'un peut dévier contre un frère. Une sœur peut dévier contre une sœur. Ce que je lance, ce qu'on m'appelle, si on a des yeux spirituels, c'est que le soir, prends ton téléphone et appelle le frère qui t'a offensé. Appelle la soeur qui t'a offensé. C'est vrai que ça fait mal, mais c'est une arme puissante. Je ne suis pas sûr que quelqu'un, que ce soit moi, ou une soeur, ou un frère, qui n'a pas l'habitude, qui t'a offensé, ou aujourd'hui, la soeur Estelle dit quelque chose, je suis touché. Je ne suis pas sûr que si, au moment où elle ne s'attend pas à moi, que je descends chez elle, quelqu'un tape à la porte, elle vient ouvrir, c'est moi. Elle passe, ce que tu as dit là, c'est pour ça que je suis venu en parler. Pasteur, tu as gardé ça là encore. On a réglé là, c'est fini. Parce que elle, peut-être qu'elle avait dit ça. Prendre ça même.
Je te demande pardon, il y a de l'eau. Je prends de l'eau, on parle, on prie, on s'en va. On est des soeurs, on est des frères. Mais si, dans mon parti, là même là, quand j'arrive, là, elle ouvre la porte. Pasteur, bonjour. Ouais. Et maman, si de mon. Ce que je me dis, il faut que je sorte ça d'abord, parce que non, elle a Et bien, il allait à l'école ce matin. Parce que tout ce qu'elle est en train de dire maintenant, ça veut dire d'autres moments en train de monter l'escalier. Après, maintenant, Je suis venu te parler pour partir. Toi, même à l'église, tu te prends. Toi, tu es ma fille. Toi, tu fais comme ça. Toi-même, c'est qui? C'est pas toi, Elle est humiliée. Puis, au revoir. Tu t'en vas. Pascal aussi est au travail. Elle est dans le téléphone. Papi. Il est devenu Spanish. Papi. Quand papi aussi a attendu voir des enfants, il quitte au milieu. Oui, il était. Pasteur, allô mamie. Pasteur, venu. Il m'a insulté. Même maman, même. Il a insulté. Il veut finir comme ça. Moi, au moment où je demandais pardon, il dit ton mari, même qui est un faux type là. Ce qu'il t'a dit, c'est pas être au travail, je ne peux pas dire. Tu as déjà dit, continue. Mais je ne peux pas dire, pas être au travail. Lui aussi, le soir, quand il vient, qu'est-ce qu'il dit? Mamie et papi sont en train de ça. Mais, si papi ne veut pas bien écouter ce que mamie est en train de dire, il y a un terrain. Il y a un terrain où papi va accepter, même s'il ne veut pas accepter. Sur le terrain. Donc quand papi sort de là, quand dimanche il va le passer, quand le petit dit, ah, ancien. Quand le culte est fini, un autre frère aussi s'approche de l'ancien. Parce que lui aussi va derrière radar. De toute façon, j'ai vu ton visage à l'église. Il y a quoi, mon frère? Toi qui nous faisais rire comme ça, là. Ah, le pasteur, regarde, c'est qu'il allait insulter ma femme. C'est à cause de vous, moi, je viens à l'église. Sinon, je ne le ferai pas pour tout, mais c'est à cause de vous. Mais pourquoi il peut vous faire ça? Non, il faut que tu réagisses, hein. Lui, il a laissé pour lui. Est-ce que tu sais que le pasteur a insulté les Pascal là? Il des mots. Hein? Quand tu as fini d'autre? Mariam, est-ce que tu sais qu'il est pasteur? C'est fini. Et puis tu vois Satan là-bas. Ça a fait des plans. Ça a fait des plans, continue. Non. Après que tu n'as pas encore mis dedans, même dedans. Si lui, il tombe dedans, tu vas voir que tout est Namami en même temps. Il s'en va s'asseoir. Les gens disent, on vous avait dit. Maintenant, le coup, il s'en va de l'autre côté là-bas. On vous avait dit que ça n'allait pas aller au loin. C'est quel esprit même qui était là-bas? On vous a dit, l'église francophone, là, ça ne va pas hier. Maintenant, quand il a fini, il y a eu la haine, les échanges. Chacun maintenant. Et puis, quand il libère l'esprit, tu commences à repenser. Est-ce que lui-même m'a fait ça enfant? Pourquoi je continue ça? Pourquoi je fais tant? Il a déjà mis la classe. C'est pour ça que 2015, 2016, nous devons être forts. Que nos yeux spirituels s'ouvrent. On ne sait pas. Nous sommes en guerre. Tu ne sais pas quand elle peut tomber. Est-ce que demain, si on t'appelle pour te dire que tel frère est tombé, c'est à ce moment-là que tu vas venir compatir. Tu as dit Yako. Ou tu seras fait comme semblant. Tuons les nuages. Voyons.
De façon spirituelle, nous sommes forts. Et ma prière, la prière de tout le monde doit être, nous devons être une génération puissante. Nous devons atteindre ce que les gens pensent qu'on ne peut pas atteindre. Et ensemble. Parce que partout où tu seras, quand on parle de mission pour Christ, il faut que tu sois fier. Il faut que cette mission pour Christ soit capable d'aider. Quand tu as des difficultés. Je me rappelle, pour terminer, j'avais fait un accident de voiture. L'ambulance est venue me prendre pour m'envoyer à John Hopkins. Quand l'église a appris, ils étaient là en même temps. C'était rempli, ils voulaient voir même où le pasteur, tout le monde voulait monter. Ils ont dit, attendez. Ils attendaient leur côté. Quand je suis descendu, j'ai dit, ça va. Le policier m'appelle. Il dit, tu es pasteur? Il dit, non. Tu es responsable de l'église? Il dit non, je suis fidèle. Il dit waouh, ça c'est pas grave. Tout ce monde-là, ils sont venus te voir. D'autres même voulaient monter, même ils voulaient pousser pour monter. Il dit oui, c'est les frères de l'église. C'est ça. C'est ce que l'ennemi ne veut pas. C'est ça là. C'est ce qu'il ne veut pas. Sinon, qui est ennemi de qui réellement ici? Nous sommes des frères. Amen. Prions les uns pour les autres. Amen. Prions les uns pour les autres. Amen. Si on a quitté loin pour venir ici, nous sommes les frères. S'il y a quelque chose qui ne va pas entre toi et ta femme, qui t'attriste, asseyez-vous, appelle-la. Et puis tu dis, voici ce que tu fais. Si vous ne vous attendez pas, sur un point que toi tu penses bien, alors tu appelles serviteur de Dieu pour dire, voici ce que ma femme fait. Je dis que c'est pas bon, mais voilà, il va donner son point de vue, il va vous mettre ensemble. Dès qu'on est marié, tout ce qui est dans la maison, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas moi, j'ai fait ici, et puis mon mari fait ici. C'est on fait ici. La Bible dit que nous devenons une chair. Nous sommes des frères. Nous sommes des sœurs. Nous sommes une personne. Quand on sort ici, qu'on a en ville, l'étiquette qui est sur nous, c'est mission pour Christ. Amen. Soyons forts. De telle sorte que quand un tombe, nous tous, on le relève en groupe. Quand un tombe, on le relève en groupe. On s'assoit, on parle de nos différents. Dieu n'a pas dit qu'il n'aura pas de différents. Dieu n'a pas dit qu'il n'aura pas de malentendus. Dieu n'a pas dit qu'il n'aura pas de temps. Mais on peut les tuer avant qu'ils ne se développent dans notre esprit. Donc comprenez ce matin que si Ève est tombée, Satan n'est pas venu piquer sur son pied comme serpent. Il n'a pas piqué son dos. Mais c'est ici qu'il a commencé à frapper. L'ennemi frappe par rapport à ce que tu connais. C'est pour ça que tu dois avoir la parole dans ton cœur. C'est pour ça que tu dois lire. C'est pour ça que tu dois écouter les musiques chrétiennes. C'est pour ça que tu dois écouter tant. Parce que ce que tu écoutes toujours influence ta vie. Tu ne peux pas tenir. Ce que tu entends toujours influence ta vie. Si nous écoutons la parole de Dieu, si nous lisons, ça va influencer positivement. Il dit, mettez ça. Il dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Si tu ne peux pas identifier ce qui peut être en train de te détruire, l'ennemi il fait de telle sorte que tu penses que ce que tu es en train de faire, c'est ça qui est normal. Que c'est ça qui est correct. Tu es sur la bonne voie. Continue. Amen. Mais tu dois, Jésus il a gagné parce qu'il a identifié. Il dit, Satan, arrête, parce que lui-là, c'est mon frère. Lui-là, c'est ma soeur. Donc aujourd'hui, j'encourage pour cette année qui va commencer. Si nous sommes forts, qui a commencé, on va s'élever et on va identifier. Là où tu as pensé quelque chose t'a fait mal, que tu n'avais pas relâché. La Bible dit que c'est un péché. Relâche ça, demande pardon au Seigneur.
Si tu demandes pardon, tu dis, Seigneur, ce que j'ai eu tant, 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 enlève ça, je te demande pardon, c'est à lui. Donc ce matin, chacun va s'élever. On va s'élever et tu vas identifier ce qui a été pour toi un problème en 2015. Ce qui a été quelque part où la haine t'a animé. Ce qui a été quelque part où il y a eu qui a mis le noir. Ce qui a fait. Tu dis, Seigneur, on va demander pardon d'abord au Seigneur pour avancer. Amen. Seigneur, ce matin, je te demande pardon. Tu as voulu, Seigneur, à travers même l'ancien Pascal, tu as dit, c'est dans la pensée, nous devons grandir spirituellement. Nous devons grandir avec le Seigneur parce que nous sommes tous serviteurs de Dieu. Là où nous avons été captifs, ce que l'ennemi a planté dans notre tête qui nous a fatigués, Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne-moi, pardonne à mon frère, pardonne à ma soeur. Et que ton sang, ton précieux sang, libère notre esprit, libère, papa, notre mémoire, libère notre façon de faire. Parce que tu es le seul. Je veux te servir, ma soeur veut te servir, mon frère veut te servir. Nous voulons ici te servir. Que tu sois, papa, le premier dans tout ce que nous faisons, dans notre foyer, dans nos maisons, dans nos activités et surtout dans nos pensées, papa. Nous voulons être des serviteurs puissants, des servantes puissantes, papa. Cette année, glorifie-toi dans notre vie. Glorifie-toi dans notre maison où l'ennemi peut nous accuser, Seigneur. Cela est nul et sans effet ce matin. Je coupe les liens, papa, de la haine. Je coupe les liens de la colère. Je remets, papa, à chacun de nous, papa, l'amour du prochain. Permets-nous, Seigneur, de nous rabaisser là où nous avons même été offensés. Oh Seigneur, lave chacun de nous. Purifie ton église parce que tu veux nous envoyer loin. Lorsque nous partons d'ici, Seigneur, que nous soyons transformés par la puissance de Dieu. Mais la connaissance qui va nous permettre d'identifier, papa, l'ennemi. Qui va nous permettre d'identifier notre vrai ennemi, Seigneur. Parce que tu as dit, et ta parole est vraie, que nous n'avons pas à lutter contre la chair. Nous n'avons pas à lutter contre un frère. Nous n'avons pas à lutter contre une sœur. Mais contre, papa, les démons et les principautés. Chaque fois que quelque chose, il y a une différence entre un frère et moi, entre une sœur et une sœur, entre un frère et un frère, permet à chacun d'identifier, Seigneur, que ce que nous attendons ne vient pas de toi. Afin d'arrêter, papa, l'hémorragie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons aller de victoire en victoire. Nous voulons que nos projets réussissent dans nos mains.